L'acte 1 du procès de Mehdi Nemmouche s'est tenu ce jeudi matin à Bruxelles. Le Français, suspecté d'être à l'origine de l'attentat dans le musée juif de la capitale belge en 2014, était convoqué pour une audience préliminaire en vue de préparer le procès qui s'ouvrira en janvier. Son avocat, Sébastien Courtois, s'est exprimé avant l'audience. Il vient pour faire reconnaître son innocence, il viendra à toutes les audiences, notamment celle d'aujourd'hui. Lors de l'instruction judiciaire en 2016, Mehdi Nemmouche avait reconnu avoir joué un rôle dans l'attentat, mais avait nié être le tireur. Selon l'accusation pourtant, c'est bien lui qui a ouvert le feu le 24 mai 2014 dans le hall du musée juif de Bruxelles, tuant 4 personnes. À l'époque, Mehdi Nemmouche rentrait tout juste de Syrie, où il avait combattu aux côtés des djihadistes de l'organisation État islamique. Il avait été arrêté quelques jours après l'attentat à Marseille, en possession de plusieurs armes. Le procès débutera le 10 janvier. Il devrait durer 2 mois.